Wow, quel privilège! Quel privilège d'être ici parmi vous. Quelle joie! Quelle équipe de louanges! Wow, amen! Moi, j'étais tellement touché, j'ai allumé mon téléphone et puis tout de suite, je me suis dit, tiens, ma femme va regarder. Et puis tout de suite, Sylvie Vogel de Land, elle est avec nous. Salut Sylvie. Gloria d'Allemagne, elle est là. Et puis il avait Céline de Québec qui est là. Et puis il avait Jean-Louis Nico du Valais qui est là. Et puis la dernière, je ne vais pas oublier, c'est ma prof de français. Paula Hampton de Caroline du Sud qui a allumé comme ça, ça fait, en 1981. J'ai pris un cours de français. C'est grâce à elle que je suis là maintenant. Parce que je venais de donner ma vie à Jésus. Et puis j'ai pris un cours de français. Ah, on verra. Et puis j'ai pris ce cours de français. Et là-dedans, Dieu m'a appelé à quitter les États-Unis pour aller à Burkina Faso. Et puis de venir ici en Suisse et dans la francophonie. Et puis merci beaucoup, Paula. Et puis on t'aime fort. Merci d'être ici. C'était, ouais. On ne devine jamais. Qui est en train de prendre l'anglais ici? Est-ce qu'il y a un élève qui prend l'anglais? Votre prof. 30 ans depuis maintenant. Peut-être vous l'allez voir en Singapour quelque part. Je ne sais pas. C'est aussi bizarre que ça de s'imaginer que Dieu il avait prévu des choses comme ça. Merci Paula. Elle m'a enseigné comment dire église. Elle m'a enseigné comment dire petit chouchou. Ça me suffit, quoi. J'ai pris une femme en Suisse. Ça fait 32 ans en arrière que je me suis marié avec un vaudoise. Et puis elle est née à Vevey. Elle a grandi à Saint-Saphorin. Et puis moi, j'ai grandi au Texas. Ça, c'est un vache, si vous ne savez pas. Hein. Les rock'n'rollers, ils pensent que ça, c'est le diable. Non, c'est un vache du Texas. Et puis, c'est le plus grand État. Et puis, ma femme, elle vient d'un des plus petits pays. Et puis, on a des idées complètement différentes. On est vraiment opposés, Catherine et moi. Moi, je suis pour la quantité, elle est pour la qualité. Tu vois? Alors, après ces 32 ans, j'ai bien... On a pris un petit équilibre, quoi, qui est pas mal. Et puis, je suis reconnaissant à ma femme, Catherine, ici, en train de regarder. Mais quel privilège. Merci beaucoup, pasteur Christophe, pour cette invitation, cette église. C'est glorieux. On fait partie de la même famille. C'est très, très beau. Amen. Alors, moi, j'avais un parole que j'aimerais bien partager avec vous. Ça va main en main avec ce que je suis en train de vous dire. Quand nous sommes mariés au début, on était tellement différents. On était jeunes mariés. On avait un appartement à meubler. Moi, j'ai vu une table à vendre, 99,95. Ça, c'est un prix américain. Une table en verre, tout neuf. Ah, je suis allé avec Catherine pour aller chercher. Et en arrivant, la dernière table est vendue. J'ai dit, oh, le diable a volé notre table. Ça, c'était mon attitude. J'étais fâché avec le diable. Catherine, si le Seigneur souhaitait qu'on avait cette table, elle aurait été toujours là. Catherine, tu sais rien. Suisse avec ton théologie calviniste, hyper calviniste. Et en rentrant à la maison, on a vu une grande publicité aux États-Unis, selon l'autoroute, une table en verre, exactement la même table pour 75 $. On s'arrête, on a acheté la table et Catherine me dit, tu vois, elle était heureuse, moi j'avais raison. J'ai toujours raison, elle est toujours heureuse. Il faut mieux être heureux qu'avoir raison, ça c'est sûr. Mais en même temps, je crois que tous les deux extrêmes sont dangereux. Si on pense que oui, si Dieu souhaite me guérir, il peut me guérir. Ou si Dieu il veut vraiment que mes enfants ils aillent dans le bon chemin, ça c'est sa volonté. Et je ne peux rien changer. Ça c'est une théologie qui vient ici d'Europe. Calvin, à Genève. C'est les Genevois. Ils sont toujours des... Non, je rigole un peu. J'aime bien les vaudois, n'est-ce pas? Là, j'ai perdu la moitié de... C'était une réaction vaudoise. C'était une réaction vaudoise, OK. Non, mais je trouve que si tu es trop américain, si tu as une formule sur Dieu et tu veux contrôler Dieu. Et ça, ce n'est pas juste non plus. Il faut juste un bon équilibre.
Mais il faut comprendre la Bible, il faut revenir à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il faut, ça, c'est la solution, ça, c'est l'équilibre, de revenir à la parole de Dieu. Moi, j'ai entendu une histoire, une blague en fait. Un Anglais, un Mexicain et un Belge, ils sont en train de construire un gratte-ciel. Et ils vont manger le déjeuner, et puis l'Anglais ouvre sa boîte. Roast beef. Oh, si j'ai encore le roast beef demain, je vais sauter. Et puis le Mexicain, les tacos, encore les tacos. Si je vois les tacos demain, je vais sauter avec toi. Et puis le Belge, il ouvre. Ah, oh, c'est des frites. Oh, oui, je suis d'accord avec vous. Si je vois encore des frites, je vais sauter avec vous. Alors le lendemain, pour le déjeuner, l'Anglais, il ouvre, c'est le roast beef. Ah, il saute, il est mort. Et puis le Mexicain, il ouvre, c'est des tacos. Oh non, pas plus de tacos, il saute, il est mort aussi. Et le Belge, il ouvre, il a des frites et il saute aussi. Et puis, pour l'enterrement, les femmes, ils sont là. Et puis, la femme d'anglais, si je savais, j'aurais lui donné un peu de jello ou quelque chose, un peu de fish and chips pour lui empêcher. Et puis, le Mexicain, j'aurais pu lui donner des tamales ou plein de sortes d'autres choses s'il me disait seulement. Et puis, tout le monde regarde la femme du Belge et puis elle lui dit, il ne faut pas me regarder, c'est mon mari qui fait son propre déjeuner tous les jours. Et puis, autant que chrétiens, il faut que nous réalisons que nous faisons nos propres déjeuners. Il y a certaines choses dans la Bible qui sont prédestinées. Il y a certaines choses qui sont merveilleuses. Mais cette théologie qui dit, « Ouais, Dieu, il a dit, Armstrong, Graham, piqué, piqué, ouais, toi, t'es sauvé, toi, t'es pas sauvé, toi, t'es guéri, toi, t'es pas guéri. » Ça vient du diable. Ça vient pas de la parole de Dieu. Dieu, il a une magnifique table en verre pour vous, je vous assure. Il faut une bonne suissesse pour le trouver parfois. Il faut un équilibre. Mais quand même, Dieu, il n'est pas comme ça. Il a pas. Les promesses de Dieu sont oui et ils sont amen, amen en Christ. Il ne change pas. Dieu n'est pas un politicien. S'il vous avait donné une promesse, c'est pour sûr, c'est certain. Vous pouvez aller à la banque avec cette promesse de Dieu. Il y a 8000 promesses que Dieu a faites. Il n'a jamais menti, pas une fois. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne change pas. Il est Dieu. Il est Dieu des montagnes, il est Dieu du vallée. Les deux, il est Dieu. Sans cesse, on peut compter sur lui. Et puis cette idée que je ne peux pas compter sur lui, c'est païenne. Dans le livre des Actes, Paul, il était dans un naufrage. Et puis le bateau coule. Paul, il a flotté, il est arrivé sur une île avec tous les autres prisonniers. Et puis les natifs, les païens, ils étaient en train de regarder. Et puis Paul, il avait foi, il cherchait du bois, et puis un serpent lui a mordu, un vipère. Et puis les natifs, ils ont dit, écoute, ce Dieu, ce monsieur, sûrement, il est meurtre. Parce que les dieux lui ont laissé échapper l'offrage, mais maintenant, Dieu lui punit avec ce serpent. Et puis Paul, il disait, non, ce serpent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Paul n'a pas dit, « Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par ce serpent qui tient là ?» Cette théologie n'était pas dans la tête de Paul. Il a vu ce serpent, il a secoué ce serpent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a rejeté, il a résisté le diable. Et puis les natifs, ils ont regardé, et puis, « Oh, il n'est pas raide. » Ce n'est pas un meurtre. C'est un Dieu. Et ça, c'est une théologie païenne. Selon les circonstances, s'il fait beau, Dieu est content. S'il pleut, Dieu n'est pas content. Si j'aimais tout ce qu'il faut, alors Dieu est mon Dieu. Mais sinon, ce n'est pas bon. Et puis ça, c'est une théologie qui n'est pas du tout biblique. C'est une théologie qui dit que Dieu, il a tout sous son contrôle. Vous avez déjà entendu ça? Ce n'est pas vrai. Pendant la guerre de Vietnam, le journal Time, il a écrit, « Si Dieu a tout sous son contrôle, il a vraiment fait une chenille là. » C'était sur la couverture du Time, parce que Dieu, ce n'est pas l'auteur du Vietnam, la guerre du Vietnam. Il n'est pas l'auteur des dictateurs. Ce n'est pas Dieu qui a mis les dictateurs dans son poste. Moi, je vais oser dire, même aux États-Unis, celui qui gagne, ce n'est pas Dieu qui lui a mis là-bas, c'est les Américains qui lui a élu. C'est pour cela qu'il va voter. On peut prier. Oh, c'est silencieux. Si vous êtes revenu, vous êtes redevenu les Vaudois là. Hein? Écoute,
Dieu, il n'a pas tout sous son contrôle. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a prié cette prière. Quand? Pas jamais avant de guérir quelqu'un. Jamais avant de recevoir, de multiplier le pain. Il a prié cette prière en allant à la croix. Et dans le livre de Jacques, chapitre, je crois que c'est chapitre 2 ou 4, Jacques, l'apôtre, il a dit, il faut pas aller dans une ville et travailler et puis revenir et dire que je vais devenir riche. Il faut dire, si Dieu le veut, je vais à New York, je vais gagner du fric et je vais revenir ici. Ça, c'est la prière de consécration. Mais ce n'est pas une prière de la foi. Ce n'est pas une prière qui demande la promesse de Dieu. Parce que Jésus, il a acquis tellement de choses avec la croix et la résurrection. Il a payé le prix pour nous d'être guéris, d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas prier, Seigneur, si c'est ta volonté, remplis-moi du Saint-Esprit. Il faut dire, merci, Seigneur, le sang de Jésus-Christ m'a qualifié pour le Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est une fête, c'est une vérité. Si vous avez reçu Jésus, nous devenions le temple du Saint-Esprit. Les musulmans, ils disent quoi? Inch'Allah. Que sera, sera. Advient qui pourra, les gens, ils disent. C'est une attitude passive qui va laisser les promesses de Dieu tomber à côté. Je me souviens bien, ma femme, elle a grandi dans l'église ici, en Suisse, l'église d'État, et puis je l'ai rencontrée avec Jeunesse en Mission. Et puis là-dedans, elle a entendu un verset, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, qui disent, Satan est le Dieu de ce siècle, et il aveugle les gens, et il vole la gloire de l'Évangile de leur cœur. Et elle était presque fâchée qu'elle n'a jamais entendu ce verset de son église. Elle n'a jamais entendu qu'il y a un diable qui veut voler la promesse de nos pères. Il faut résister. La guerre deuxième mondiale, on avait des Canadiens, les Anglais, les Américains, mais sans leur résistance, eux, ils n'ont pas pu entrer là-dedans. Vous êtes d'accord avec moi? La résistance, ils ont joué un rôle vital. Et puis nous, on ne peut pas sauver nous-mêmes. On est complètement impuissant pour nous sauver. C'est que par la grâce de Dieu. Mais les alliés, ils ont besoin de notre résistance. Les alliés, ils ne peuvent pas entrer si on ne résiste pas le diable. Si on ne coopère pas avec Dieu, on doit coopérer avec lui. Et puis, quand, comme j'ai mentionné avant, quand on revient à la Bible, on voit l'équilibre. Alors, voyez avec moi, regardez avec moi dans vos Bibles. Il y a deux illustrations, j'aimerais bien voir. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Il y a une femme, sa fille est possédée par le diable. Sans doute, c'est le diable. Et puis, elle vient auprès de Jésus, mais elle n'est pas juive. Et puis, elle a crié vers Jésus, « Guéris ma fille !» Et puis ses disciples lui repoussent. Seigneur, dites à cette femme de nous laisser tranquille, elle nous embête. Et puis Matthieu chapitre 15, vous y êtes? Vous êtes sur l'écran derrière moi, c'est ça? Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Explique. Est-ce que c'est bon? Chapitre 15, verset 22. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'empire d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus lui répondit, plus un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi ils répondirent, ma mission se limite aux brebis perdu du peuple d'Israël. Et là, si on s'arrête là, on dirait que c'est la prédestination, que Jésus est que prédestiné pour les Juifs. Et c'est Jésus qui est en train de prêcher ça. Mais pourquoi? C'est pour lui taquiner, parce que Jésus veut qu'elle réagisse. Il n'a pas fini, il a dit, écoute, moi je suis envoyé qu'aux Juifs. Ma mission se limite aux brebis perdues d'Israël.
Mais la femme vient se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants. » Dites avec moi, le pain des enfants. Ça, c'est la guérison. C'est le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Elle a répondu quoi? « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Elle a dû combattre pour saisir les promesses de Dieu. Jésus souhaitait que sa fille était guérie, libérée, délivrée, plus que la maman. Mais la maman, elle avait entendu la tradition. « Ah, ça, le salut vient des Juifs, ce n'est pas pour les païennes. » Elle était sur les traditions et Jésus souhaitait lui provoquer jusqu'à ce qu'elle sorte de son tradition. Elle n'a pas dit « Oui, je suis un chien, je suis qu'une chienne, et pitié de moi. » Non, elle n'a pas mis l'accent sur son valeur. Elle a dit « La parole de Dieu est si puissante que même une petite miette est capable de guérir toute ma famille. » Elle a élevé la parole de Dieu. Elle a élevé la promesse de Dieu. C'est ce qu'on doit faire, nous. Autrement, on devient trop passif. Vous me suivez un peu? Alors, Jésus parlait à cette païenne en disant, le salut, c'est que pour les Juifs. Ça lui a provoqué. Elle a approprié. Elle s'appropriait les promesses de Dieu pour elle. C'est pour moi. C'est pas que pour les Juifs. C'est pas que pour les louangeurs. Ils sont vraiment, ils ont une ligne directe avec Dieu. Tu vois, ils sont sensibles. Mais nous, moi, je suis mécanicien de voiture, tu vois. Je ne fais pas partie de l'équipe de louange, l'intercession non plus. Je suis plus ingénieur. Je suis plus mécanique, manuel. Non, c'est pas que pour eux. C'est pour nous tous. Il faut approprier pour nous. Ah oui, c'est ma femme qui prie dans la maison. Non, 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 il faut la leadership de votre maison, c'est vous tous, quoi. Ensemble, vous êtes les leaders. Ce n'est pas que votre mari, ce n'est pas que la femme. Il faut approprier pour vous-même. Mais Jésus, il était en train de s'adresser à qui? Une païenne. Luc, chapitre 4, il est en train de prêcher pour la première fois. Luc, chapitre 4, vous rappelez bien, le Seigneur, mon roi, pour annoncer une bonne nouvelle. Et puis eux, ils ont dit, ouais, on connaît ta famille, tous. Et puis ils ont rejeté un peu Jésus. Et puis, qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'ils puissent essayer de les changer, de leur situation? Regardons Luc chapitre 4, versets 25 à 27. Il a dit la même chose aux Juifs qu'il a dit à cette païenne. Luc 4, versets 25 à 27. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie. Quand, pendant 3 ans et demi, il n'a pas eu de la pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucun d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarafat, dans le pays de Sidon. Et il avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien, Naaman, qui a été guéri. Alors Jésus, il a dit, Dieu a guéri que les étrangers avec Élie et Élisée. Et puis, ce peuple-là, ils n'ont pas dit, oui, c'est vrai, Seigneur, mais simplement donne-nous une parole. Non, ils étaient tellement fâchés, ils ont pris Jésus pour les jeter par une falaise. Jésus disait aux femmes païennes, le salut est que pour les Juifs. Et puis aux Juifs, Jésus disait,
Dieu a que guéri le Syrien. Même aujourd'hui, si tu prêches ça en Israël, ils vont te lapider peut-être. C'est violent, quoi. Mais Jésus n'était pas juste là pour taquiner une bagarre. Il souhaitait les secouer afin qu'ils quittent cette mentalité. La femme païenne, elle avait un besoin énorme. Alors pour sa fille, elle était prête à n'importe quoi, pour changer même son théologie, pour dire oui, Seigneur, ta volonté. Seigneur, je le cherche, je le veux. Mais les Juifs, ils étaient à l'aise, ils étaient aisés, quoi. Ils étaient l'établissement. Ils avaient l'église, le tabernacle au centre du village. Ils ont trouvé le poste de travail dans cette église, dans ce tabernacle. Ils étaient aisés, quoi. Et Jésus souhaitait les secouer de leur tradition, de leur théologie qui était déjà fixée. On doit être ouvert, on doit être vulnérable, on doit être prêt à tout basculer pour saisir les promesses de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 12, qu'est-ce qu'il est écrit? Prends la vacance de la foi. Ah non. Prends la retraite de la foi. Non. Combat le bon combat de la foi. Saisir la vie éternelle. Il faut le saisir. C'est un combat. C'est un combat, c'est actif, c'est pas du tout passif. Jésus est le seul qui a payé le prix. Mais il a payé le prix. On ne peut pas sauver nous-mêmes. On ne peut pas aller dans l'autre extrême en disant que, oui, si je pousse quelques boutons, je peux manipuler Dieu. Ce n'est pas ça que je prêche. Mais une fois après l'autre, dans le Nouveau Testament, Dieu, il dit, réjouissez-vous, il faut le faire. Ça ne va pas produire la joie. Vous avez la joie déjà en vous, mais Paul, il a dit quoi? Réjouissez-vous, chrétiens. Encore, je vous le dis, réjouissez-vous. Donnez, et ça soit donné à vous. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Imposez les mains, guérissez les malades. Donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement. Donnez. C'est les impératifs que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Les doctrines qui viennent de Dieu, les enseignements de Jésus, c'était toujours pour secouer les gens à l'action. Les doctrines humaines sont toujours comme les douches de cocaïne spirituelle pour s'endormir. Et ça peut être cool et jeune, avec des vestons en cuir, avec des fumées sur la scène, mais une doctrine de cocaïne spirituelle qui vous fait bien. Oui, ça fait du bien de cocaïne. Mais une fois, moi, j'étais dans un accident de moto et j'étais par terre, j'avais le sang qui giclait partout. Et puis, c'était juste devant une église. Je n'étais pas en train de servir Dieu à l'époque. C'était une église pentecôtiste, tout noir. Et ils ont le feu, quoi. Mais l'ambulance, le paramédic, ils sont venus. Et puis, j'étais par terre, j'étais inconscient. Et puis, ils m'ont donné la cocaïne sur la tête pour me faire dormir. Non. Ils ont mis l'ammonia sur mon nez. Et je me souviens, jusqu'à aujourd'hui, j'étais dans le noir. C'était complètement sombre. Et j'étais là et je dis, oh, ah, je sens les fleurs quelque part. Et je cherchais ces fleurs. Je cherchais ces fleurs et puis quand je les ai trouvées, wow, ça m'a réveillé. Et puis l'Église aujourd'hui, elle n'a pas besoin de cocaïne spirituelle. Elle a besoin de cette ammoniaque, comment ça s'appelle en français? Ammoniaque. Il faut l'ammoniaque pour réveiller l'Église d'un coma spirituel, pour saisir, pour approprier les promesses de Dieu pour vos filles, pour votre femme, pour votre couple, pour votre Église, pour votre pays, pour cette Église, pour vos pasteurs. Oui, j'ai assez. Non, il faut que vous ayez une promotion au travail. Pourquoi? J'ai plus besoin d'argent. Oui, d'autres personnes, ils ont besoin d'argent. Notre église a montré qu'on peut donner 100 francs par mois à Mali, à Bamako. Et c'est un pasteur qui est là depuis 20 ans en plus. Et ça lui a procuré un petit terrain pour une église. Qui peut gagner 100 francs de plus par mois avec une promotion? Vous êtes capable de le faire. Il faut procurer. Non, je suis aisé, je suis bien, la retraite est bien. Dans 3 mois, je suis dans la retraite. Non. 2 mois? 2 ans. Non, ça, c'est pas...
Il faut aller plus loin pour saisir les promesses de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a dit, priez, quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que règne vient, que ta volonté soit faite ici terre. Pourquoi Jésus a demandé de prier cette prière? Si sa volonté se passe de toute façon. Beaucoup de jeunes, ils pensent, ouais, c'est, le ciel c'est un disque dur et toute ma vie a été déjà enregistrée. Et moi, je suis une marionnette et j'accomplis ce que Dieu a fait pour moi. Ça, c'est faux, ça. Parce que la volonté de Dieu ne se passe pas sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dit, priez que son règne vienne. Que sa volonté soit faite ici. Il faut insister. Il faut prier. Il faut approprier la volonté de Dieu. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut s'informer vous-même. Je vous donne du devoir. Vous avez du temps, non? Vous êtes en confinement, non? Un peu? Non? En France. Il y a des Français ici ce soir. Écoute, je vous donne un peu de devoir. Regarde Éphésiens à la maison. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Nous sommes prédestinés à l'adoption. Ça, c'est une chose. Mais si j'étais élu, pourquoi je dois être adopté? Ça n'a aucun sens. Dans la Bible, le mot prédestination est utilisé, mais c'est une doctrine divine, ce n'est pas une doctrine humaine. C'est je suis prédestiné d'être adopté à l'adoption des enfants de Dieu. Le même chapitre, Éphésiens chapitre 1, verset 11, je suis prédestiné pour un héritage qui est riche. J'ai un héritage, mais il faut l'insister. Je ne sais pas si un de vos grands-parents ils sont décédés, il y a un héritage, il faut dire, écoute, je suis encore là. Ça ne vient pas automatiquement. Romains, chapitre 8, verset 29. Je suis prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ma femme. Hein? C'est mon... Je ne suis pas censé être la même marque l'année prochaine. Je suis censé être plus comme Jésus, mais je dois le dire. C'est mon destin d'être comme Christ. Catherine, si tu restes avec moi encore 30 ans, je vais marcher sur l'eau la prochaine fois. Oh non, dans 30 ans. Il faut approprier pour moi. Je suis conforme à l'image de Christ. Il faut le dire. La plupart des Suisses, ils regardent dans le miroir. Oh, j'étais bête. Oh. C'est pas possible. C'est plus fort que moi. Je suis bête. J'entends ces trois phrases. Trop. Il ne faut plus le dire. Il faut dire, je suis prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Ça ne vient pas automatiquement. Et vous êtes vraiment beaux, hein, les Suisses. Quand je suis venu en Suisse au début, il y a des bois qui sont coupés, le gazon qui est coupé, tout le monde paye les impôts. C'est vraiment les perfectionnistes partout. Aux États-Unis, on est un peu différent. On est pauvres, paumés, on manque un don là, et puis... Tu regardes le miroir et tu dis, ouais, je suis prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Vous êtes presque déjà là, mais il faut quand même le dire. Il faut le dire. Il faut dire, ça c'est à moi, ça c'est pour moi. Je suis prédestiné à être comme lui. Faire un peu de devoir. Priez cette prière. Combat le bon combat de foi. Appropriez pour vous-même. Informez vous-même pour l'adoption. Pour l'héritage, d'être conforme à son image. Tu sais, le mois passé, Béatrice Stockley, je ne sais pas si vous avez vu, un missionnaire de Bâle, un missionnaire suisse qui était tué à Mali. Mais même si quelqu'un te tue, ça ne peut pas arrêter d'être conforme à l'image de Christ. Parce que cette missionnaire, elle est plus comme Christ que jamais auparavant. Le diable ne peut pas arrêter ses promesses d'y arriver si nous les approprions pour nous-mêmes. Maintenant, c'est très triste. Il faut prier pour Béatrice, sa famille. Mais dans 100 ans, dès maintenant, 2100, elle va être, waouh, j'étais conforme à l'image de Christ là. Alors, vous ne pouvez pas mourir en Afrique. Vous pouvez livrer toi-même pour ta femme. Et ça, c'est comme Christ se livrer pour l'Église.
vous pouvez être conforme à l'image de Christ, comme ça. Oui, mais tu ne connais pas ma femme. Tu ne connais pas l'Église. Hein? Jésus est mort pour l'Église. Ça fait 30 ans, je suis pasteur aussi. Jésus est mort pour nous, quoi, comme nous sommes. Amen. Respectez vos maris. Oh, ils ne méritent pas. Moi, je ne le mérite pas, mais Jésus le mérite. Respecte votre mari comme pour Christ. Je vais terminer avec deux versets, quoi. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde. La seule prédestination que Dieu a fait, l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Avant qu'Adam et Ève ils n'ont jamais péché, Jésus était crucifié dans le cœur de Dieu pour qu'il puisse être sauvé. Amen. Moi, j'ai cherché le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'autre. Peut-être Acte 17, 28. Dieu a déterminé l'endroit et le temps que chacun de nous soyons nés. Pourquoi? Afin que nous puissions lui trouver. Il a prédestiné l'exact temps et l'endroit où nous soyons nés. Mais entre notre naissance et aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choix nous-mêmes. Et puis on peut ouvrir nos cœurs à lui. On peut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et puis il peut tout changer, quoi. Et ça, c'est la partie. Après que vous êtes chrétien, à ce moment-là, tu peux dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on devient un peu plus comme ma femme, un peu plus calviniste là. Et c'est joli, et c'est très beau, mais c'est nous qui lui invoquons, qui lui invitons de prendre possession de ma vie. Je ne peux plus, Seigneur, toute seule. Je ne peux pas être un bon mari, un papa responsable, toute seule. Moi, je veux plus qu'un papa responsable. Moi, je veux être un papa surnaturel. Moi, je veux être un pasteur, tu sais, pas tous les jours, mais parfois. Moi, j'ai téléphoné un paroissien. C'était quelqu'un qui était prêt à se suicider, quoi. Et pour moi, je dis, waouh, merci Seigneur. Parce que je n'ai pas pensé à ça, c'était Dieu. Je veux être pasteur comme ça. J'aimerais bien être bon moment au bon endroit. Bon moment avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi, s'il vous plaît? Peut-être certains ici, vous êtes déjà... Peut-être vous êtes suisse-allemand, vous prenez l'initiative chaque fois. Et peut-être vous êtes trop passif, certaines. Et Dieu, il vous adore. Il ne faut pas être américain. Dieu vous avait créé, suisse ou italien, ou comme vous êtes. Il connaît chacun de nos personnalités. Il ne veut pas changer notre personnalité, il veut la racheter. Mais le prière numéro un de l'Église primitive dans la Bible, chaque fois, l'hardiesse. Seigneur, donne-nous l'hardiesse. L'apôtre Paul, il avait l'hardiesse. Mais même lui, il a prié, Seigneur. Et non, il a dit à l'Église, prie pour moi aussi, que Dieu me donne l'hardiesse. J'étais dans une table ronde avec 12 pasteurs suisses. Oui, l'Église ne grandit pas parce que le Bernois, il nous a assujettis pendant 150 ans. Et un autre pasteur dit, oui, parce qu'il y a des montagnes partout, on ne voit pas loin, nous. Et moi, j'ai répondu, dites ça à Alinghi. Ouais, en Suisse, qui, on n'a même pas la mer, ils ont gagné la Coupe d'Amérique, ils ont battu les Australiens, les Nouvelle-Zélandais, ils ont battu les Américains. Seigneur, donne-nous largesse maintenant. Qui a besoin de cette prière? Qui veut changer? Qui veut aller plus loin? Qui veut aller plus loin? Notre potentiel, c'est Dieu qui nous donne notre potentiel. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Mais si nous arrivons à notre potentiel, si nous dépassons notre potentiel, ça, c'est notre don, cadeau à Dieu. On peut lui donner ça. Alors, qui a besoin de cette prière? Dieu, il voit vos mains, il voit vos cœurs, il voit cette église, il voit cette leadership. Il y a des gens, ils vont être mise en feu dans cette église. Alléluia. C'est un réveil ici. Amen. Quelqu'un a prié. Est-ce que vous entendez le bruit d'un réveil ici? Yes. Moi, je le proclame au nom de Jésus. Alléluia.
Thank you, Jesus. Sola babashi ke le babosto koto le babasata. Shombrad digele baboso toko chaka babasata. Lambrad takata babasi ke te baboso toya. Hallelujah. Ola barabasi te ke baboso ombrad laka babasata. Lambrabadzi ala baboso to. Thank you, Jesus. Dieu, il souffle dans cette église. Il souffle sur vous. Il va souffler sur vous. Il souffle maintenant. Seigneur, mets ta main. Impose tes mains, Seigneur. Sola chakada babasi kele. Touch this, oh God. Touch this place. Shake this. Shake the walls of this building, oh God. Change us, oh God. Don't leave us the same. Ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Nous voulons aller plus loin. On ne veut pas s'arrêter là. Sobrachti kila babosondo. Thank you, Jesus.